Lisons ensemble. Let us read together. Jérémie 17, verset 1 à 4. Jeremiah 17, reading from verse 1 to 4. Jérémie, chapitre 17, verset 1 à 4. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté, près des avers, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux, à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Amen. Jeremiah chapter 17, verse 1 to 4. Judah's sin is engraved with an iron tool, inscribed with a flint point on the tablets of their hearts and on the horns of their altars. Even their children remember their altars and Asherah poles beside the spreading trees and on the high hills. My mountain in the land and your wealth and all your treasures I will give away as plunder, together with your high places, because of your sin throughout your country. Through your own fault, you will lose the inheritance I gave you. I will enslave you to your enemies in the land you do not know. For you have kindled my anger, and it will burn forever. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dieu maudit tous ceux qui vivent volontairement dans le péché. God curses those who live deliberately in sin. Pour certains, for some, tu perdras ce que Dieu t'a donné par ta propre faute. Ce n'est même pas parce qu'il y a les sorciers au village. You will lose what God, what you have by your own fault, not because there are witches in the village. Tu perdras ou alors tu as perdu ton héritage par ta propre faute. You will lose or you have already lost your heritage because of through your own fault. Ce soir, this afternoon, on va intercéder. We are going to intercede pour que Dieu restaure chacun dans son héritage. For God to restore each one in his inheritance. Il t'a donné. He gave you. Mais tu as perdu. But you lost. Par ta faute. By your fault. Il t'avait donné. He gave you. Toi-même, tu as rendu témoignage. You yourself, you testified about it. Il y a des gens qui ont été délivrés authentiquement. There are people who have been genuinely delivered. Ils ont vu en vision et puis ça s'est accompli physiquement. They saw it in a vision and it was accomplished physically. Même d'autres frères ont vu en vision. Even other brethren saw it in vision. Tout le monde était convaincu. Everybody was convinced. Que Dieu a déjà agi. That God has already acted. Mais par leur propre faute. But by their own fault, ils ont perdu ce que Dieu leur a donné. They lost what God gave them. Ils ont perdu ce que Dieu leur a donné. They lost what God gave par them. Leur propre faute. By their own fault. Dieu dit, God says, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. You will lose by your own fault the inheritance I gave you. Et pour certains, and for some, ce n'est même pas au futur. It's not even in the ils future. Ont déjà perdu. They have already lost. Ils savent. They know. Même quand ils sont assis. Even when they are sitting. Parce qu'ils sont des enfants de Dieu. Because they are children of ils God. Ils ont le discernement. They have the discernment. Ils peuvent savoir. They can know. Que Dieu n'est pas là. That God is not there. Qu'ils ont perdu ce que Dieu leur a donné. That they have lost what God has given. Il y en a qui ont perdu les ministères. Some have lost their ministries. Il y en a qui ont perdu les dons spirituels. Some have lost spiritual gifts. Il y en a qui ont perdu l'argent. Some has lost money. Il y en a qui ont perdu des terres. Some have lost plots. Il y en a qui ont perdu des promotions spirituelles. Some have lost a spiritual promotion by their own fault. Par leur faute. By their own fault. Par l'idolâtrie. By idolatry. Lis. Read. Reprends la lecture du verset à partir du verset 1. Reread from verse 1. Jérémie chapitre 17 à partir du verset 1. Écoutez très bien. Listen carefully. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer. Ils ont tellement péché que Dieu a pris un burin de fer pour écrire leur péché avec. Il n'a pas pris l'encre. They have sinned so much that
God used a pen of iron to write their sins. He did not use an ink. Imagine. Imagine. Qu'un jeune homme qui décide. That a young man who decides. Que chaque jour il se masturbe. That il a cru, hein, ce n'est pas qu'il est païen. He has believed. He's not an unbeliever. Masturbation, masturbation, he decides to masturbate himself every day. Imagine un croyant. Imagine a believer. Qui cache la bière pour boire en cachette. Who hide beer to drink in il hiding. Il n'y a rien dedans, mais il boit. There is nothing in it, but he drinks and drinks Dieu and drinks. Dieu prend un purin de fer. God takes an... Il écrit ton péché, il est ivrogne. He takes an iron of, I mean a pen of iron, and write your sin, drink it. Qui va effacer? Who will blot it out? Imagine. Une dame qu'on respecte. A woman that we respect. Qui se masturbe. Who masturbate herself. Elle se masturbe. She masturbates herself. Jeune fille. Young lady. Elle se masturbe. She masturbates herself. Ton péché. Your sin. Est écrit. Is written. Avec un purin de fer. With a pen of iron. Un purin de fer. A pen of iron. Tu perdras. Lise, continue la lecture. And you will lose. Avec une reading. Pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants. Ainsi pensent-ils à leur autel et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts. C'est-à-dire leur amour suprême. That is the supreme love. C'est pour leur idole. It is the for is for the idols. Leur péché. The sins. Les choses que leur cœur adore. The things that their heart continue adore. Je livre au pillage ma montagne et ses champs. Et Dieu dit. God says, je livre au pillage ma montagne et ses champs. Je laisse les démons les tourmenter. I deliver them to plunder. That I let the demons torment them. Je les livre. I deliver them à l'armée des ténèbres. To the army of darkness. Ils m'appartiennent. They belong to mais me. Mais je les livre. But I deliver them. Continue. Tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux à cause de tes péchés. À cause de tes péchés. Because of your sins. Tes trésors, your treasures, toutes ces richesses, all these riches, plus même tes péchés, and in addition to your sins, continue. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Tu perdras par ta faute. By your fault, you will lose l'héritage que je t'avais donné. The inheritance I gave you. Et le Seigneur dit à quelqu'un. And the Lord told some, tell tu someone. Tu as perdu par ta faute. You have lost by your tu own as perdu par ta faute. You have lost by your own fault. L'héritage que je t'avais donné. The heritage I gave you. Tu n'as même pas besoin qu'on chasse les démons. You do not even need that we cast out demons. Pour ton cas, for your case, tu n'as pas besoin qu'on chasse les démons. You don't need that we cast out demons. Tu dois revenir. You must come back. Tu dois revenir. You must come back. Pour que le Seigneur, for the Lord, change les choses. Change things. To change things. Selon sa miséricorde. According to his mercy. Selon sa miséricorde. According to his mercy. Quand tu commences à te quereller, when you start quarreling, personne ne peut te conseiller. No one can advise you. Personne. No one. Les intrigues, les coups bas. I mean the bad things that trahisons, you do. The treasons, the betrayals. Tu les manies avec habileté. You manipulate them with ability. Comme si tu n'avais jamais cru. As if you have never believed. Dieu dit, regarde ce que tu fais. Dieu dit, regarde mon fils, regarde ma fille. God says, tu vas perdre look, my ce son. Que j'ai donné. Look, my son. Look, my daughter. Par ta conduite. You will lose. By your conduct. Par ta conduite. By your conduct. Tu vas perdre. You will lose. Ce que j'ai donné. What I've given you. Certaines personnes disent, le mal était revenu. The pain came back. Pourquoi? Why? Reviens. Come back. Reviens. Come back. Dieu a béni certains. God has blessed some people. Ils ont commencé à prospérer. They started to prosper. C'est à ce moment-là qu'ils ont su que l'argent est bien. Donc même la dîme, là, on ne donne plus. It's at that time that they realized that money is good and then even the tithe, they don't give anymore. Certains ont rétrogradé dans ce que Dieu leur a donné. Some backslid. C'est-à-dire dans la bénédiction de Dieu. In what God gave them, that is in the blessing of God. Quelqu'un demande du travail. Some has a job. Et Dieu lui donne un petit emploi.
And God gave him a little place. Il dit, oh Père, c'est petit, ça ne suffit pas. He said, oh God, Lord, it is small, it's not et enough. Le Seigneur triple, quadruple. And the Lord triples. Après, il commence à dire, le travail me prend le temps. And after he starts saying, the work takes me a lot of time. Le Seigneur avait béni un frère. The Lord blessed a brother. Qui était mon disciple. Who was my disciple. Je pars un jour. I go one day. Le travail. He said, the work, my job. Comment? How? Le travail. The work. Il n'avait plus de temps pour Jésus-Christ. He no more had time for Jesus. Dieu te dit. God tells you. Attention. Beware. C'est moi qui t'ai donné. I'm the one who gave you. Tu vas perdre ça. You will lose it. Pour certains, c'est un avertissement. For some, it's a warning. Pour d'autres, for others, c'est un constat, c'est réel. C'est déjà dans le passé. Dieu a déjà livré. God has already delivered them. It's finished. C'est un soir de repentance. It's an evening of repentance. Certaines personnes devaient mourir depuis. Some people were to die ever since. Mais le Seigneur a augmenté le nombre de leurs jours. But the Lord increased the numbers of the days. C'est à ce moment-là. It is at that time. Qu'ils commencent à aimer la vie. That they start loving life. Au lieu de se consacrer. Instead of consecrating. Ils commencent à aimer la vie. Themselves, they start loving life. Ils sont attirés par les boîtes de nuit. They are drawn by nightclubs. Quand ils voient les jeunes filles, ils sont attirés. When they see the young ladies, they are drawn by them. Et les femmes voient les jeunes gens, elles sont attirées. And when the ladies also see the young men, parce que Jésus a augmenté, parce que sinon ils devaient déjà être dans la tombe. Because Jesus has increased, if not they were to be in the tomb already. L'apôtre Paul a posé cette question. Apostle Paul asked this question. Ce qui est bon a-t-il donc été pour nous une cause de mort? What is good has therefore become for us a cause of death. Ne fallait-il pas que Dieu te bénisse? God was not God to bless you. Est-ce qu'il a mal fait? Did he do something bad? Est-ce qu'il a mal fait? Did he do something bad? Tenons-nous debout. Let us stand on our feet. Dis, oh Père, say, oh Father, que cette vision ne s'accomplisse pas. Let this vision not accomplished. Dis, oh Père, oh say, Père, oh Father, oh Father. Là où elle s'est accomplie. Where it has been accomplished. Accorde-nous la victoire. Grant us victory. Prie comme si tu étais membre d'un corps. Pray as if you are a member of a body. Ne passe pas à ton seul cas. Do not think of your own case. Si Dieu exauce, il va libérer une grande onction. If God grants us, he will release a great anointing. Pour rendre possible le retour et la restauration. To make it possible, to make possible the return and restoration. C'est lui qui avait donné. He's the one who gave. Et il sait. And he knows quand c'est perdu. When it was lost. On ne peut pas le tromper. We cannot deceive him. Dieu Père. Say, oh Father. Que là où cette vision s'est déjà accomplie. That where this vision has been accomplished. Pardonne. Forgive. S'il te plaît. Please. Et ordonne la vie. And command life. Ordonne la victoire. Command victory. Dieu Père. Oh Father. Nous voulons nous relever. We want to stand up. Mais il n'y a plus de force. We want to rise up, but there is no strength. Ordonne. Ordain. Notre réveil. Our revival. Car tu as dit dans les psaumes. For you said in the psalm. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Your God ordained. Père, ordonne maintenant. Now, Father, ordain now. Que nous ayons la force. That we get strength. Et que chacun revienne. And that each one comes back.
Continue à prier maintenant comme un intercesseur. Continue to pray now as an intercessor. Dieu, Père, tu as dit dans ta parole, you said in your word, que ceux qui vont se repentir, that those who will repent, seront restaurés, will be restored, dans tout ce que les démons ont dévoré. For all that the demons have devoured, et tu as dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. You said that I will replace the years that le Jelek, le Hazam, et le Azil. Cette grande armée, this great army, que toi-même tu as libérée contre nous, that you yourself has released against us, replace tout ce qui a été dévoré, all that have been devoured, replace selon ta bonté, selon ta miséricorde, according to your mercy, que le diable ne se réjouisse pas, let the demon, restaure the tes devil enfants, not rejoice, restaure-les, dans tout ce qu'ils ont perdu. En vivant dans le désordre. By living in disorder. Car nous revenons à toi. God, we are coming back to you. Nous crions pour ta compassion. For we are crying out for your compassion. Pour la miséricorde. We are crying out for your que mercy. Que toute personne, let any person, parmi ton peuple, among your qui people, a perdu un héritage, who has lost, soit restauré maintenant. Let it be restored. Chasse toute l'armée de Satan. Cast out all the army of Satan. Chasse toute l'armée des ténèbres. Cast out all. Disperse-les. Scatter them. Donne la victoire aux enfants de ton peuple. Give the victory to your people. Donne-nous la victoire. Give us victory. Donne-nous la victoire. Give us victory. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Prions alors. Let us pray in tongues. Dieu Père, Dieu Father, restaure dans la santé physique. Restore toute personne qui a perdu sa santé. Restore any person who has lost his health. Restore ceux qui ont perdu la prospérité. Restore those who have lost prosperity. Restore ceux qui ont perdu la croissance spirituelle. Restore those who have lost spiritual growth. Restore. Dieu Père, oh Father, restore tout ce qui a été perdu par manque de prière, all those that have been, all the things that have been lost by manque de lack lecture of prayer, biblique, by lack of reading the Bible reading, d'étude biblique, by lack of Bible manque study, d'adoration, par manque de louange, by lack et of beaucoup praise, ont perdu, many have lost. Dans le culte spirituel à Dieu. In the spiritual service to God. Continue à prier que chacun revienne. Continue to pray that each one comes back. Que chacun revienne, que chacun revienne. Let each one comes back. Que chacun revienne, que chacun revienne. Dieu Père, tu as dit aux enfants d'Israël. You told the king of Israel. Tu as dit à Israël. You told Israel. Ce qui cause ta ruine. What that which destroys you contre celui qui peut te secourir, is that you are against the one who can help you. Seigneur, éloigne de nous. Oh Lord, take away from us la folie, the madness d'être contre toi, to be against you. Continue à prier. Continue to pray. Nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Oh Père éternel. Oh Lord Father. Que tout esprit impur. Let any impure spirit. Ou tout être humain. Or any human being. Qui a pris l'avantage sur nous. That have taken advantage on us. À cause de notre folie. Because of our madness. À cause de notre folie. Because of our foolishness. Se retire au nom de Jésus. Let it depart in the name of Jesus. Oh non. Continue à prier. Continue to pray. Dieu Père, Dieu Father, j'étais insensé. I was unwise. Quand je m'éloignais de toi. When I was getting away from you. J'étais insensé. I was unwise.
Maintenant, je reviens à toi, je reviens now, à toi. Now I'm coming back to you, I'm coming back je reviens to you. À toi, je reviens à I'm toi. Coming back to you. Éloigne de nous. Take away from us. Toute puissance. Any power. Qui a pris de l'avantage sur nous. That have taken advantage on us. Pendant les temps d'éloignement. During the time of. Pendant les temps d'éloignement. During the time we are continue far away à prier, from continue à prier. Continue to pray. Continue à prier. Continue to pray. Kere bakara bakere bakara bakere bakara bakere bakara bakere bakere bakara bakere bakara bakere bakara bakere bakara kere bakara bakere bakara bakere bakara 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 kere bakara 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 que toute résistance, let any resistance qui voulait exploiter nos faiblesses, which wanted to exploit our weaknesses, s'écroule, be crushed down, et que les appuis d'orgueil et de résistance soient brisés, and let the ground of pride and resistance be broken, car nous refusons, for we refuse, de nous éloigner de notre Père, to get far away from our Father, dont la demeure est éternelle, whose dwelling place is everlasting, saint, whose name is holy. Continue à insister que toute résistance s'écroule. Continue to pray that que le ciel soit ouvert au-dessus de chacun. That heaven be open above each que one. Que le ciel soit ouvert au-dessus that de heaven chacun. Heaven be open above each one. Ora bakara bakasa bakara bakasa bakara bakasa bakara. Ora bakasa bakara bakasa bakara bakasa bakara. Ora 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 bakasa bakara bakasa bakara. Satan. Va-t'en. Satan, go. Va-t'en. Depart. Au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus, que tout esprit, let any spirit, étranger, stranger, à la gloire de Dieu, s'éloigne, depart, qui s'en aille, let it go, qui s'en aille, let it go, qui sont jugés, let me judge, jugés, judge, jugés, judge, jugés, judge, jugés, judge, va-t'en vite, go, quickly. Lève ta main droite. Raise your right hand. Au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Nous détruisons. We destroy. Tout ce qui a été construit contre nous. All that have been built against us. Pendant le temps de notre folie. During the time of our foolishness. Vive la folie finie. He said foolishness is finished. Mais que tout ce qui a été construit contre nous. Let anything that has s'écroule. Let it be crushed. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Continue à prier. Keep praying. Le Seigneur est en train d'agir. The Lord is working. Ora bakasa bakara 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 bakara. Va-t'en. Go. Que tout esprit, let any spirit, qui a pensé que nous sommes abandonnés, which thought that we are abandoned, et qui pouvait essayer, and that you could try, soit jugé, be judged, jugé, judged. Va-t'en. Go. Que tout esprit, let any spirit, qui pensait que nous sommes abandonnés, which thought that we are abandoned, et peut se débrouiller, and that it can try, soit jugé, be judged, jugé, judged. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Because we are the children of God. Son amour, his love, ses compassions se renouvellent. His compassions are renewed. Son amour est infini. His love is endless. Il n'a pas abandonné son peuple. He has not abandoned his children. Il n'a pas abandonné ses enfants. He has not abandoned his children. Dis Satan. Say Satan. Mon père ne m'a pas abandonné. My father has not forsaken me. Retire-toi. Depart. Et ne touche à rien de ce qui me touch nothing ce qui m'appartient of what belongs to me. Ne me touche pas. Do not touch me. Ne touche pas ce qui m'appartient. Do not touch that which belongs to me. Ora bakashara bakara bakara ora bakara 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 ora bakashara bakara ora bakashara bakara ora bakashara bakara ora bakashara bakara ora Dis, je proclame. Say, I proclaim. Vous tous dites, je proclame. All of you say, I proclaim. Que j'appartiens à Jésus. That I belong to Jesus.
Je ne veux plus marcher avec le diable. I no more want to walk with the devil. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je chasse tout esprit méchant. I cast out any wicked spirit. Qui tourmente quelqu'un parmi vous. That torment someone in your midst. S'il y a quelqu'un parmi vous. If there is someone in your midst. Qui est poursuivi par des démons. Who is pursued by demons. Je les juge. I judge him. Je les chasse. I cast him out. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Satan. Satan. Va-t'en. Go. Retire-toi. Get away. Pour toujours. For forever. Va-t'en, 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 va-t'en. Go, go. Réveille-la. S'il y a mari de nuit ou femme de nuit parmi vous. If there is a spiritual husband or spiritual wife in your midst, je le chasse. I cast him away. Tout esprit. Any spirit. De mari de nuit ou femme. Of spiritual husband or spiritual wife. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Cast him away in the name of Jesus. Je proclame la victoire de Christ. I proclaim the victory of Christ. Pose la main sur ta tête. Lay your hand upon your head. Dis bénédiction. Say blessing. Descends sur moi. Come down on me. Dis miracle de la bénédiction. Say miracle of blessing. Descends sur moi. Descend on me. Dis miracle de la guérison divine. Say miracle of divine healing. Descends sur moi. Come down on me. Quand tu dis miracle, 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 miracle. C'est miracle, miracle, miracle. Au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus of Nazareth. Opère. Work. L'œuvre de vie en moi. Make the work of life in me. De la tête. From my head. À la plante de mes pieds. To my soul. Que tous les organes de mon corps soient touchés. Let all the organs of my body be touched. Par le miracle de la guérison divine. By the miracle of divine healing. De la tête, from my head up to the soles of my feet. Que tout ce qui est gâté soit réparé. Let all that is spoiled be repaired. Que tout ce qui est défaillant soit restauré. All that is divinement. Divinely. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Et que la guérison s'installe. And let healing start. Que la guérison s'installe. Let healing start. Que la guérison s'installe. Let healing take place. Et pendant qu'on prie, si c'est une hernie, tu crois que tu es délivré. While we are praying, if it is a hernia, tu crois que tu es délivré. Believe that you are healed. Diabetes. Parce que le Seigneur envoie son esprit agir en nous. Because the Lord sends His Spirit to work in pour us. Pour recréer la vie là où il n'y avait plus de vie. To recreate life where there was pour no life. Pour redonner la vie aux cellules. To give back life to il cells. Il est l'auteur de la vie, l'auteur de la vie. He is the author of life. Crois the en lui. Believe in Him. Crois en lui. Believe in pendant Him. Pendant que tu as les mains posées sur ta tête. While your hands crois are crois en lui. Believe in Him. Crois en lui. Believe in Him. Que tout ce qui est défaillant. That all that is defaillant. Soit guéri. Be healed. Appelle par son nom. Dis Seigneur éternel. Call him by his name. Au nom Lord de ton God, fils Jésus Christ. In the name of Jesus. J'appelle la vie dans ma vie. I call life in my life. Le psalmiste a dit c'est par ta lumière que nous avons la lumière. The psalmist said that it's by your light that we have life. C'est par ta vie que nous avons la vie. It's by your life that we have life. Dis que la vie vient dans ma tête. Oh, let life come in que my la vie life. Vient dans mon cœur. Let life come in my heart. Que la vie vient dans mes poumons. Let life come in my lungs. Que la vie vient dans mon foie. Let life come in my liver. Que la vie vient dans mon let estomac. Let life come in my stomach. Que la vie vienne dans mes reins. Let life come in my kidneys. Que la vie vienne dans mes intestins. Let life come in my intestines. Que la vie vienne dans mon utérus. Let life come in my uterus. Que la vie vienne dans mes ovaires. Let life come in my ovaries. Que la vie vienne dans les trompes, dans les trompes. Let life come in my tubes. La vie de Dieu. The life of God. La vie de Dieu. The life of God. Qu'elle vienne. Let it come. Contre le cancer. Against cancer. Contre le sida. Against sida. Qu'elle vienne avec abondance. Let it come. Contre les fibromes, fibrate, et les myomes. Oh, la vie de Dieu. Oh, the life of God. Qu'elle descende. Qu'elle descende. Let it come down. Remplisse mon être. And fill my de la guérison divine. Let it divine que la vessie. My blood. Soit guérie. Let it be healed. Que les incontinences soient guéries.
Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que toutes les maladies de la peau soient guéries. Let all the sicknesses que la vie de Dieu, le miracle de la guérison. Let the life of God. S'installe dans ma peau, dans ma peau. Que come in my au nom de Jésus, que ma gorge soit guérie. Let the throat be que la guérison entre dans ma gorge. Let healing come into qu'elle my throat. Demeure. Let it remain. Qu'elle entre dans mon dos, dans ma let colonne vertébrale. Into my back, que ma colonne soit redressée. Let my spinal bone be que tous les os let all my bones qui ont commencé à vieillir who have started to soient rajeunis. La vie des os. Rajeunis. Renewed. Que soit un jour de vengeance. Que ce soit un jour de vengeance. Let it be a day of vengeance. Contre l'armée de la maladie. Against the army of un sickness. Un jour de joie. A day of joy. Pour tous les corps affligés. When all au the nom afflicted de Jésus. Bodies, in the name of Jesus. Vie. Live. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Vie. Live. Que les nerfs. Let the nerves. Les nerfs. Que ceux qui ne voient pas voient. Let those who don't see see. Qu'ils voient, qu'ils regardent, qu'ils voient. Let them see. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que ceux dont les nerfs sont morts. Those whose nerves que les nerfs revivent. Let them get life. Que la paralysie soit jugée. Let paralysis be judged. Continue à prier là. Keep praying in tongues. La guérison. Healing. Crois. Believe. Crois. Believe. Tu verras la gloire de Dieu. You see the glory of crois. God. Crois. Believe. Tu verras la gloire de Dieu. You see the glory of God. Crois. Believe. Tu verras la gloire de Dieu. You see the glory of God. C'est lui qui travaille. He's the one who works. C'est lui qui travaille. He's the one who works. S'il y a un démon sur le chemin. If there are demons on the way. S'il rencontre un démon. If he meets a demon. Il va le terrasser. He will fall, si, knock him over. S'il rencontre un esprit humain. If he meets a human il va body, le terrasser. He will knock him over. S'il rencontre un esprit de mort. If he meets il va le terrasser. Death, will knock him over. Il est le souverain maître. He is the sovereign master. Le Seigneur. The Lord of Lords and King of Kings. Garde le calme. Keep silent. Fais les mouvements que tu ne faisais pas. Make the movement you couldn't do. Si ton dos était bloqué. If your back was blocked. Tu te lèves, tu vois, tu fais ça. You stand up and you make a movement like that. À Jésus, c'est automatique. In Jesus, it's automatic. Certaines guérisons, on saura seulement l'an prochain. Some healing will be known, will be observed next year. Si tes trompes ont été débouchées, if your tubes have been unblocked, tu ne peux pas réaliser ça maintenant. You cannot observe it now, realize it now. Mais c'est quand le bébé va bouger. It's when the baby will be moving. Tu auras ton témoignage. You will have your testimony. Tu auras ton témoignage. You will have your testimony. Si tu es venu avec les béquilles, if you came with clutches, si tu as cru, if you have believed, tu les jettes, tu te lèves, tu marches. You cast them away and you stand up, you walk. C'est comme ça l'œuvre de Dieu. This is how the work of God is. N'attends pas passivement. Do not wait there passively. C'est le Saint-Esprit qui travaille. It's the Holy Spirit that works. Il est avec toi là où tu es assis. He is with you where you are sitting. Qui a déjà réalisé sa who has already realized his healing? Who has a testimony? Regardez ce que vous avez. Qui? Est-ce qu'il y a une main là? Look, who? Is there a hand? Qui a déjà constaté sa guérison? Who has already observed his healing? Oui, viens. Yes, come. Donnez-le le micro. Give them the microphone. Il y a des gens qui aiment attendre d'être dernier. Ça, c'est. There are people tu es like premier, tu sortes, tu viens. If you are first, you jump and you come. Il se dit, il faut que quelqu'un parte d'abord. He tells himself, let someone go first. Je suis la sœur Nyadre Rabé Dokas. J'ai pour faisait l'ancien fondeau de Benjerville. Je veux dire merci au Seigneur ce soir qui m'a guéri des myomes. Je dis merci parce qu'avant de venir à Tchékoa ici cette année, j'ai fait des analyses 2 semaines avant. On m'avait dit que j'avais des myomes. Et quand je touche mon bavon, j'avais très mal. Sentais des boules au niveau de mon bavon, très mal. Et j'avais acheté les médicaments. Mais avant de venir, j'ai laissé les médicaments à la maison. Je suis venue, j'ai dit le Seigneur va me guérir. Et tout à l'heure, quand on priait,
Il dit merci au Seigneur parce que j'ai senti. Seigneur, merci Seigneur. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. Je veux dire merci au Seigneur parce que je n'arrivais pas à appuyer mon bas avant parce que c'était très dur. Tout à l'heure, quand le pasteur a dit, fais des mouvements que tu n'arrivais pas à faire avant. Quand j'ai commencé à appuyer mon bas avant, je ne sentais plus de douleur. C'est parti. Et il y a une voix qui m'a dit, tu es guéri. Il dit merci au Seigneur au nom de Jésus. Amen. Qui d'autre? Suivant. Alléluia. Moi, c'est le frère Zewombi. Mon faisait disciple, c'est le pasteur Kakou Baudelaire. Bon, Dieu m'a délivré d'un problème cardiaque. Avant d'arriver ici, quand j'étais au quartier, je sentais les pincements au niveau de mon cœur. Souvent, ça tire aussi dedans aussi. Ça fait plusieurs années. Mais depuis que j'ai mis mes pieds ici, aujourd'hui, Dieu m'a délivré de ce problème cardiaque. Alléluia! Amen! Acclamation suivante. Clap offering, Ness. Gloire à Dieu! Je me nomme Blaise Jeannette. Mon frère des disciples, c'est assez historique. Maintenant, je suis à Urobo. Je t'ai pris maintenant avec ancien Christian. Amen! Lorsque je venais ici, vraiment, j'étais malade. Je ne pouvais même pas me lever à cause de mes reins. Tout à quand je viens ici, mais pour me lever, la difficile, je ne pouvais même pas me lever. Ce soir-là, quand le leader priait pour la guérison, en tout cas, je ne pouvais même pas me lever, mais j'ai fait un effort. Après, je me suis assise. Maintenant, quand on a prié tout de même, vraiment, j'ai reçu la guérison. Donc, je voulais dire merci à Dieu. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. Jésus a demandé qui m'a touché. Jesus asked who touched me. Gloire à Dieu. Je veux dire merci à Dieu qui m'a guéri ce soir-là. Même hier, mais il m'a guéri. Je veux dire merci à Dieu. Je m'appelle Sœur Angèle. Mon faisait de disciples, c'est Sœur Estelle. Je veux dire merci à Dieu qui m'a délivré des maux de dos. Avant-hier, j'ai rendu mes témoignages que je suis constipée. Mais Jésus-Christ m'a délivré de le mal là. Il m'a délivré de cela. Je vais lui merci pour Alléluia. Avoir la guérison qu'il m'a accordée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens qui ont été guéris. There are people who have been healed. Quand on te dit de constater, ce n'est pas le doute, ce n'est pas ça qu'on appelle le doute. When I tell you to look, this is not what we call doubt. C'est pour que tu puisses rendre témoignage. It's for you to. Jésus a demandé à une femme, qui m'a touché? Jesus asked a woman, who touched me? Pourquoi demandait-il? Why did he ask this question? Beaucoup aimeraient garder le silence. Many want to keep silent. Et Jésus ne veut pas. But Jesus does. Il a insisté et dit qui m'a touché. He insisted and said, who touched me? Et une femme est venue en tremblant. And a woman came trembling. Et Jésus l'a béni. And Jesus blessed her. Qui a touché Jésus parmi vous? Who touched Jesus among you? Lève-toi et viens. Continue. Stand up and come. Gloire à Dieu. C'est la sœur Agé, Sabine. Mon faisait des disciples, c'est le pasteur Meunier. Alléluia. Quand je venais de la maison, j'avais mal, mon côté droit. Tout le côté droit me faisait mal. Surtout mon cou et mon bras, mon épaule droite me faisait très mal. Mais après la prière de guérison, je ne sens plus le mal. C'est pourquoi je veux dire merci au Seigneur. Amen. Suivant. Next. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Tchétché Francine.
Je vais dire merci à Dieu parce que lorsqu'on venait ce soir, j'avais mal partout. Tout mon corps me faisait mal. Et après la prière, je ne sens même plus de douleur. Je veux lui dire merci infiniment. Amen. Jésus-Christ. Qui m'a touché? Dit Jésus. Who touched me? Jesus. Alléluia. Je m'appelle la sœur Bahouni Thérèse. Mon faisait des disciples, c'est passé à Méné Boniface. C'est quand on priait, le pasteur a dit, Jésus, qui m'a touché? Et j'ai senti la présence du Christ auprès de moi. Puis il me dit, il s'est retourné vers ceux qui se sont donnés. Et il s'est présenté, il a levé la main, surtout sur l'infirme. Il dit que celui-là, il va marcher. Alléluia. C'est cette vision que le Seigneur m'a montrée. Amen. Qui va toucher? Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sundry. Ce n'est pas une pause, mes amis. Je suis ici pour mon collègue. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a guéri de la migraine. Qui est en train de travailler. Quand je venais, j'avais très mal à la tête. Et après la prière, le Seigneur m'a guéri. Je veux lui dire merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Mbesso. Je suis venu avec un sévère mal de dos. Dieu m'a guéri. Amen. Alléluia. Acclamation. Qui m'a touché? Who touched me? Gloire à Dieu. Certains ont même oublié qu'ils étaient malades. Donc, ils ne savent pas qu'ils doivent constater et venir en témoignage. Some have even forgotten that they were sick. Juste secoue ta tête. La Bible dit que Jésus est entré chez la belle-mère de Pierre. Pierre, sa belle-mère était couchée. Qu'est-ce qu'elle avait? La fièvre. Jésus l'a touché, la fièvre est partie. Toi, Dieu te délivre du palud, tu penses que ce n'est rien. Mais le Saint-Esprit a écrit la guérison de la fièvre. Jesus entered Peter's house and he saw Peter's mother-in-law. She was suffering from fever. He touched her and she was healed. And the Lord heals you from fever or malaria. You may think that it is nothing. Toi, tu attends que tu meurs et qu'on te ressuscite avant de savoir que Jésus t'aime. You are expecting to die and that we raise you from the dead for you to realize that Jesus loves you. Suivant. Next. Gloire à Dieu. Je me nomme le frère Comment Jean-Gislain. Mon faisait de disciples, c'est le pasteur Nyombli Jimmy. Alléluia. Je vais dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui vient de me délivrer tout à l'heure. Pendant qu'on priait, il a senti ma colonne vertébrale vraiment qui, c'est comme si mon épaule venait se redresser. Alléluia. J'ai senti vraiment que c'était une personne qui tirait et qui replaçait mon épaule. Je veux dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui veut le délivrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Naomi. J'ai pour faiseur le pasteur. Si tu avais une boule, tu vérifies. If you had a lamp, you check. Continue. Gloire à Dieu. C'était pendant les témoignages. J'étais assise et j'ai senti quelque chose descendre. Parce que bon, mes menstrues sont finies, ça fait 2 semaines. Donc vraiment, je me posais la question, est-ce que ce sont mes menstrues encore qui sont venues? Donc tout à l'heure, là, bon, c'est vrai que je me suis déplacée pour aller uriner. Bon, quand je suis rentrée, puis j'ai commencé à uriner, j'ai vu qu'il y a quelque chose blanc qui est descendu de moi. Mais je ne sais pas de quel esprit le Seigneur m'a délivré. Mais pendant que la sœur rendait son témoignage, quand elle a parlé de myome, parce que vraiment, bon, je souffre aussi des myomes. Donc je crois que le Seigneur m'a délivré ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Délivre. Suivant. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Ruth Crémé. Hier, pour faire passer Roméo. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré de l'esprit de Marie de nuit. Pendant que papa proclamait que s'il y a un esprit qui résiste, qui part. Donc quand il a dit au nom de Jésus que tout esprit qui retient quelqu'un s'y part, j'ai vu un homme qui avait le cône qui était derrière là-bas. Quand papa a proclamé, c'est comme si il a été projeté jusqu'à derrière là-bas. Acclamation. Alléluia. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et puis,
quand papa disait que s'il y avait des choses qui sont arrêtées, que proclamer que ces choses soient tombées, que ces choses soient écroulées. Et pendant qu'on proclamait, j'ai vu une montagne qui s'écroulait, au fur et à mesure qui s'écroulait, jusqu'à acclamation. Donc je veux bénir le nom du Seigneur pour tout ce que le Victoire Seigneur a fait. Victoire totale. Amen. Suivant. Next. Gloire à Dieu. Je suis le frère Germain Lobo. Le professeur, le pasteur Koulibaly Silas de Grand Lahou. Je voudrais dire infiniment merci au Seigneur qui m'a délivré d'un mal que moi-même j'ignore. Il faut dire, depuis le témoignage au début, j'avais un véritable souci de m'arrêter avec le parasol. Je ne faisais qu'aller à la selle. Et c'était des glaires qui ne faisaient que sortir. Je suis allé même deux à trois fois. Comme quelqu'un qui s'était purgé avec médicaments de coco. Et ça sautait beaucoup même, chose que je n'ai jamais remarquée en moi. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur qui m'a guéri dans le secret. Amen. Gloire à Dieu. Next. Je suis la sœur Kwame Afelvige, le professeur, le pasteur Zito Kwadio. Je veux être infiniment reconnaissante au Seigneur. Le matin, lorsque nous sommes arrivés, je m'assois sur les bâches. Et j'ai senti une forte douleur au niveau de la cuisse droite. Et la douleur a persisté. Et tout à l'heure, lorsqu'on était de prier pour la guérison, j'ai senti que ma cuisse me faisait fortement mal. Et après la prière, la douleur a disparu. Je veux être infiniment reconnaissante au Seigneur pour la guérison qu'il m'a accordée. Amen. Amen. Suivant. Next. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Zouo Succès, mon faiseur de disciples, c'est Maman Djidja. J'aimerais rendre gloire à Dieu ce soir qui a fait venir mes menstrues. Ça fait 3 mois. Je n'avais pas mes menstrues. Jésus. Donc, quand je suis venu, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, quand papa dit prière, tout à l'heure, mais quand il a dit, tes menstrues ne viennent pas, si il m'asseyait vraiment, je n'en allais pas m'arranger. J'ai béni le Seigneur parce que actuellement, moi-même, je rends gloire à Dieu. Jésus-Christ. Amen. Amen. Sur le champ. Suivant. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Yapokla, je suis professeur passé Tcha. Je vais rendre gloire au Seigneur pour la guérison qu'il a accomplie tout à l'heure. Pendant le témoignage, j'ai commencé à avoir des douleurs. C'est comme la chaleur sortait de l'intérieur vers l'extérieur. Et j'ai commencé à avoir des douleurs comme quelqu'un qui avait des rhumatismes. Je me tortillais même sur ma chaise. Quand le leader nous a dit de nous lever pour prier, pour moi, ce n'était pas facile, mais j'ai forcé. Mais actuellement, je suis guérie parce que, comment on appelle ça? Je ne sens plus de chaleur, je ne sens plus le froid à l'intérieur. Je lui ai dit merci au Seigneur. Acclamation. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Yoro Opportune. Je professeur d'ici, maman Colette Meunier. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur qui m'a ramené mes menstrues. Ça faisait plus de 1 mois. Et quand le pasteur a pris la parole, les menstrues sont venues. Je rends toute la gloire au Seigneur. Amen. Jésus automatique. Délivré. Delivered. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Emmanuela Koutou et disciple de l'ancien Germain de Gonzague. Je suis infiniment reconnaissante à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vient de me délivrer des douleurs au niveau de mon ventre. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme la sœur Cantiono Agathe, disciple de maman Kenom. Je traînais un mal de cœur. De suite, quand papa dirigeait la prière, je recevais une chanson qui disait que Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. C'est ce cœur qui chantait. Et le mal de cœur a disparu. Amen. Amen. Acclamation. Clap of praise. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sylvie Leslie Olivia. Je vais dire merci à Dieu qui a envoyé ses anges pour délivrer mes mains qui étaient déplacées depuis quand j'étais petite. Tout à l'heure, quand Pasteur Meunier a dit, les nerfs, quand on priait pour les nerfs,
J'ai senti la présence des anges, un à mon côté, un à ma droite, un à ma gauche, et un disait comme cela que fais les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Quand j'ai fait, il dit, je t'ai délivré. Va rendre témoignage. Il veut lui rendre toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Tes mains étaient comment? C'était déplacé, mais quand je soulevais les bagages lourds, ça s'enfle et puis après, ça part. Mais tout à l'heure, il m'a dit qu'il m'a délivré. Tu es guéri. Amen. Acclamation, là voilà. Les nerfs sont guéris. The nerves are healed. Les bras ont repris la vie. Gloire à Dieu. Continue. Je suis la sœur d'Ama Lucie, j'ai professé le disciple, le pasteur Innocent Lombé. Je suis là ce soir pour dire merci au Seigneur qui vient de me guérir. J'avais des picotements dans mon sein gauche. Ça fait un moment que j'ai ça. J'ai même fait la mammographie 2 fois, on n'a rien trouvé. Mais souvent quand je suis là, depuis qu'on a commencé à venir à la croisade, quand je suis là, les picotements sont intenses. Quand on est dans le convoi en venant avant-hier, je sentais le picotement comme si quelqu'un était piqué aiguille dans mon sein gauche. Mais ce soir-là, quand on était assis là-bas, que papa a commencé à dire, fais le mouvement que tu ne sens plus, ce que tu n'as plus dans ton corps, tu vas voir. Donc j'ai essayé de palper mes seins un peu, je voyais que la douleur a disparu. Donc je vais rendre toute l'honneur et la gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamation. Clap of praise. Bénédiction. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Diane Gogwa, disciple du pasteur Thiadé Junior. Depuis hier, il y avait très mal à l'œil gauche et ça avait même commencé à s'enfler. Gloire à Dieu. Et tout à l'heure, quand on priait après la prière, le pasteur a dit qu'on touche là où on avait mal. Non seulement la boule a disparu, mais la douleur aussi a disparu. Jésus. Je rends grâce au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Jésus. J'avais eu une chute, ça fait 3 ans, en sortant de la douche. On avait plâtré mon pied. Et je traîne la douleur depuis 3 ans. En venant, j'avais la chevillère. Ce soir, quand on priait, pendant la prière, quand le pasteur Ménier a dit, il a parlé des os, j'ai senti une forte douleur. Et la douleur a disparu et j'ai enlevé la chevillère. Je vais rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a guéri ce soir. Amen. Amen. Gloire à Dieu, je suis la sœur Gaumont à Sahel Adena. Je suis en classe de CE2. J'avais mal à la tête à la maison. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a guéri du mal de tête. Au nom de Jésus, amen. Gloire à Dieu, je suis le frère Thierry. Mon faiseur, c'est le pasteur Thiadé. Ce soir, Dieu vient de me délivrer de la misère. Alléluia! En réalité, il y a beaucoup d'hommes qui me doivent de l'argent, mais ils ne me donnent pas. Mais ce soir, quand le pasteur a fini de prier, je passais, et puis j'ai un frère qui courait derrière moi. Il dit, frère, il y a longtemps je te dois de l'argent. Mais j'ai dit, est-ce que tu as Wave? Il dit, oui. Sur place, il a déposé les 50 000. Alléluia! Tout à l'heure même, tout de suite là. Vraiment, je vais rendre grâce à Dieu parce que il m'a délivré de la misère. Tous ceux qui me doivent de l'argent, et jusqu'à cette semaine, ils vont tous donner que l'honneur et la gloire soient rendues à Jésus. Amen. Amen.